Salut tout le monde! Review de film! Aujourd'hui, je vais vous parler sur un... Oui! Le film que je vais vous parler, c'est un film Disney! Mais ce film de Disney là, ce film est un véritable chef-d'œuvre des années 2010! Le film que je vais vous parler est... Les Mondes de Ralph. Donc, Les Mondes de Ralph, c'est un film Disney, et ce film est sorti en 2012. Ensuite, ce film parle des jeux vidéo. Et en plus, là, ce film est un peu comme le Qui veut la peau de Roger Rabbit de 2012, mais c'est aussi le Qui veut la peau de Roger Rabbit des jeux vidéo. Et maintenant, place... au film. Le film commence que ce film parle un méchant. Maintenant, ça parle de notre héros qui est un notre héros Ralph Lacasse. Il est un méchant de jeu vidéo. Et là. Ralph est en effet le méchant du jeu vidéo Félix Fix Junior, alors que le héros du jeu est Félix. Et ensuite, au sujet des deux personnages de Ralph et Félix, Ralph, il est basé sur le personnage de Donkey Kong et Félix, le personnage de Super Mario. Ouais, parce que... Félix et Ralph, ils sont basés sur Mario et Donkey Kong, du fameux jeu Donkey Kong de 1981. Et là, présent, 30 ans plus tard... Et maintenant, là, c'était une histoire... Ouais, au fait, Ralph nous racontait son histoire, et la scène se passait à une réunion de méchants de jeux vidéo, et là, après ça, mais maintenant, là, on y retrouve un peu des méchants de jeux vidéo que nous connaissons. Clyde, l'un des quatre fantômes dans Pac-Man, Bowser dans Super Mario, le Dr. Eggman dans la franchise Sonic... Kano dans Mortal Kombat, M'Bison et Zangief, les méchants dans Street Fighter, et un des zombies dans House of Dead. Ralph disait aux méchants de jeux vidéo qu'il n'a pas envie de travailler pour un méchant de jeux vidéo, il veut devenir un gentil. Mais les méchants de jeux vidéo ne sont pas d'accord. Et M'Bison disait à Ralph qu'il va faire un turbo. Ah, et bien sûr, la scène de la réunion se passait dans la borne du jeu Pac-Man. On y retrouve une gare de jeu. Au fait, la gare, c'était à l'intérieur d'une prise électrique. Et après, on y retrouve d'autres personnages de jeux vidéo que nous connaissons, comme Sonic le Hérisson, Dig Dug, Paperboy, Frogger et Q-Bert. Ah, et bien sûr, Ralph a même fait une référence d'un personnage de jeu vidéo. Il a nommé le nom de Lara Croft, l'héroïne de la franchise Tomb Raider. Ralph arriva dans son jeu et il aperçoit que les habitants de son jeu sont en train de fêter le 30e anniversaire du jeu sans lui. Ah, et bien sûr, on y retrouve aussi Pac-Man, qui est invité. Et là, Ralph arriva. Bien sûr, avant, Félix avait nommé le nom de Mario. Ralph arriva. Et là, Ralph arrive à la fête. Et là, ils ont fait arriver le gâteau pour le 30e anniversaire. Et là,
Et là, Ralph et Eugène sont en train de se chamailler à propos du Ralph miniature sur le gâteau, là. Et là, Ralph a pété un câble, il a perdu son contrôle et il a explosé le gâteau à cause de son humeur. Et là, Ralph est en train de prouver à Eugène qu'il va gagner une médaille. Et après, Ralph est rendu dans un autre jeu que nous connaissons, le jeu de Tapper. Ralph est en train de boire une root beer chez Tapper. Ralph est en train de dire à Tapper s'il pourrait trouver une médaille. Et là, Tapper disait au sujet des affaires oubliées. Alors, là, on y retrouve des easter eggs dans le bout quand Ralph est en train de trouver dans les affaires perdues. On y trouve le cafard dans Wall-E, un champignon dans Super Mario, et le point d'exclamation dans Metal Gear Solid. Et là, Ralph aperçoit un soldat et qui est pas mal peureux. Et là, le soldat est en train de dire à Ralph au sujet du jeu Heroes Duty. Ouais, Heroes Duty, ce jeu est référence à le titre du jeu Call of Duty. Alors, Ralph avait mis le soldat en volant son uniforme et il lui avait porté les bobettes de Zangief. Et là, Ralph avait trouvé le jeu Heroes Duty. Alors qu'il fait son arrivée, on y retrouve le sergent Calhoun. Bon, le personnage, on dirait une version féminine de Rona Lee Ermey. Et après, Ralph est tellement moumoun à cause qu'il a peur des cyborgs, à cause que lui, c'est un personnage de jeu vidéo pour public, puis le jeu qu'il est dedans, c'est un jeu vidéo de violence. Mais là, justement, quand la petite cliente est en train de jouer à le jeu, lorsqu'elle est en train de jouer à Felix Fick Junior, mais là, Ralph est à l'ouest. Ralph est absent, et là, le jeu est hors service. Et après ça, Qbert arriva, et là, il est en train de prévenir à Félix que Ralph est à Heroes Duty, et il fait son turbo. Et là, après, Félix arriva dans la bande d'arcade Heroes Duty. Il rencontra le sergent Calhoun et il est tombé amoureux. Bon, de retour à Ralph. Ralph est arrivé tout là-haut du building pour aller trouver la médaille qu'il voulait. Ralph a enfin gagné sa médaille. Et là, Ralph avait accidentellement touché un œuf de cyborg. Et là, après ça, le bébé cyborg attaqua Ralph, et la scène fait référence à le Facehugger dans la saga Alien. Ralph avait pris un vaisseau, et là, il s'est envolé, et là, il s'est atterri dans le jeu Sugar Rush. Qui est en effet un Sugar Rush. Ce jeu est comme un Mario Kart version bonbon. Après, Ralph a perdu sa médaille et la médaille était au sommet d'un arbre en sucre d'orge. Alors qu'il fait la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Vanellope von Schwitz. Et là, Ralph et Vanellope sont en train de faire la course pour arriver au sommet de l'arbre en sucre d'orge pour aller prendre la médaille et Vanellope la prend pour une pièce d'or. Mais là, Vanellope avait des bugs. Et là, de retour à Félix et Calhoun, ils sont arrivés devant l'entrée de Sugar Rush.
Le sergent Calhoun est en train de dire à Félix qu'il avait un cyborg avec lui. Alors, le cyborg, il pourrait multiplier, ils vont dévorer Sugar Rush entier et qu'ils vont dévorer les jeux d'arcade entiers. Et là, l'assistante de Calhoun disait à Félix que c'est au sujet de son passé pour le sergent Calhoun. C'est parce que son futur mari s'est fait manger par un cyborg. Alors, Félix accompagne le sergent Calhoun pour aller chercher Ralph. Et maintenant, la prochaine scène se passait à la piste de course de Sugar Rush. Et là, on y découvre le roi de Sugar Rush, sa sucrerie. Au fait, le personnage, on dirait un mélange de Elmer Fudd et du Chapelier Fou dans le film Alice au Pays des Merveilles de Disney, la version dessin animé de Alice au Pays des Merveilles, le classique. Vanellope a envoyé sa médaille, mais là, elle est démasquée. Et là, Ralph fait son arrivée comme un monstre et qui ravage la piste de karting. Et là, Vanellope s'est sauvée et là, après, Ralph est capturé. Et après, la prochaine scène se passait au château de sa sucrerie. Et bien sûr, on y découvre des biscuits Oreo qui font les gardes. Et ils ont fait, et c'est le même effet sonore des gardes-singes dans Le Magicien d'Oz. Et là, après, sa sucrerie disait à Ralph qu'il va l'enfermer dans un donjeu. Hein, donjeu. Ça rime avec donjon et jeu. Jolie rime. Alors, Ralph avait pris la fuite et là il s'est caché dans un bassin de lait au chocolat ou du chocolat fondu avec une paille. Ah, et il avait même fait la respiration de Dark Vador de la saga Star Wars. Et là, Ralph a trouvé Vanellope. Ouais, Ralph a trouvé Vanellope. Et là, Vanellope s'est faite agresser par les pilotes. Alors, Ralph est en train de faire peur aux pilotes et a sauvé Vanellope. Et après, Ralph et Vanellope sont devenus des amis. De retour avec Félix et le sergent Calhoun, nos deux amis sont en train d'explorer le monde de Sugar Rush. Ils ont trouvé le vaisseau que Ralph s'est écrasé. Et là, pendant qu'ils vont faire leur recherche, Félix disait à le sergent Calhoun à propos de Ralph qui fait son turbo. Mais là, Félix est en train de parler l'histoire de Turbo. Turbo, avant, il était un personnage de jeu vidéo. Ouais, Turbo était un personnage de jeu vidéo et qu'il est dans le jeu vidéo Vitesse Turbo. Juste à ce moment-là que un nouveau jeu de course d'arcade fait son arrivée qui a volé la vedette à Turbo. Turbo est devenu tellement jaloux, il s'est introduit dans le jeu et là, Turbo a fait hacker le jeu. Et là, Turbo est toujours en liberté. Et là, Félix et le sergent Calhoun, ils sont tombés et atterris sur des sables mouvants Nestlé Quick. Et bien sûr qu'ils ont réussi à s'échapper. Et que Félix va aller réparer le vaisseau. De retour avec Ralph et Vanellope. Ralph et Vanellope s'en vont dans l'usine. Et là, ils sont en train de construire un kart.
Alors, une fois qu'ils ont construit le kart, Vanellope a aimé le kart que Ralph et elle ont construit. Et là, ils sont pris la main dans le sac, ou plutôt pris la main dans le sac à bonbons. Normal, parce que c'est un monde de friandises, vous comprenez? Et là, ils ont pris la fuite, et là, ils sont cachés à l'intérieur d'un volcan de Coca-Cola Diet avec des Mentos dessus. Et là, Ralph a fait une piste de course et il est en train d'entraîner Vanellope à piloter son kart. Et maintenant, là, de retour au château du roi, sa sucrerie. Sa sucrerie arriva derrière son trône. Et là, il nous mène comme une sorte de passage secret. Et là, bien sûr, on y découvre une manette de NES géante. Et là, sa sucrerie a fait le fameux code. Vous savez, haut, bas, gauche, droite, B, A, start. Ce code vous dit quelque chose? Alors, sa sucrerie est rendue à l'intérieur comme une sorte de porte. Ouais, une sorte décodeur de jeu. Il a trouvé la médaille à Ralph et il avait mis qu'il la donnait à lui-même. Ah, et bien sûr, on y découvre aussi que le décodeur de on y découvre que le décodeur de Vanellope s'est déconnecté. De retour avec Félix et le sergent Calhoun, alors qu'ils sont embarqués dans le vaisseau. Félix disait à le sergent Calhoun qu'elle est hyper séduisante. Et le sergent Calhoun, ça lui fait rappeler le mot que dit souvent son ancien fiancé qui est devenu son ancien mari avant qu'il s'est fait manger par le cyborg. Et après, Félix est débarqué du vaisseau et visité au château de sa sucrerie. Et là après, Félix est capturé et est enfermé dans le donjon. Et là, de retour avec Ralph et Vanellope, alors que Vanellope est prête à faire la course, Vanellope s'en va et là, Ralph revoit sa sucrerie et se lance à aller lui frapper. Oh, et bien sûr, sa sucrerie a fait la fameuse référence du premier Batman de Tim Burton de 1989. Vous savez, la partie « Tu feras pas un gars qui porte des lunettes ?» Et là, sa sucrerie est en train de montrer à Ralph qu'il avait la médaille. Et là, il est en train de parler à propos de Vanellope. Et là, Vanellope, à cause de ses anomalies, là, les clients qui vont jouer au jeu pensaient que le jeu serait brisé. Alors que le jeu sera débranché et Vanellope ne pourra pas sortir du jeu à cause de ses bugs. Et elle disparaîtra pour l'éternité. Vanellope revient et là, elle est en train de donner à Ralph une médaille en biscuit qu'elle a faite. Alors, Vanellope aperçoit la médaille qu'elle avait trouvée. Et là, Ralph disait à Vanellope que Vanellope ne doit pas aller à la course. Ralph avait cassé la voiture karting en 1000 morceaux. Et là, Ralph rentra chez lui. Et là, il est en train de montrer à Eugène. Ouais, bien sûr, le penthouse est vide. Tout le monde est sorti de la borne, sauf Eugène. Ralph avait montré la médaille à Eugène. Et là, il aperçoit que le jeu va bientôt se débrancher. Ralph lança la médaille et là, il aperçoit sur la borne d'arcade du jeu Sugar Rush un indice. Il a vu une image de Vanellope sur la borne d'arcade. Ralph retourne à Sugar Rush. Il retrouva assez débile l'assistant de sa sucrerie. Et là,
assez débile, avait tout expliqué à Ralph que sa sucrerie avait débranché le code à Vanellope et qu'il avait mis tous les habitants du Sugar Rush qui vont plus se souvenir d'elle. Mais le seul moyen, c'est que Vanellope doit gagner la course, comme ça elle ne sera plus une anomalie. Et que tout redevient à la normale. Ah, bien sûr, il a dit que Vanellope et Félix sont tous les deux enfermés dans le donjon. Et là, Ralph arriva, il a sauvé Félix, et ils ont aussi sauvé Vanellope, et que Félix a aussi réparé le kart de Vanellope. Et après ça, la course vient de commencer. Vanellope arriva sur la piste. Et après ça, les cyborgs sont arrivés et qui sont en train de détruire le monde entier de Sugar Rush. Et après ça, là, pendant que Vanellope est en première place, qu'il est en train de se chamailler avec le roi, et là, avec les bugs de Vanellope, sa sucrerie est en train de révéler sa véritable identité. C'est Turbo! Et après ça, là, la ligne d'arrivée est détruite. Et après, là, c'est sans espoir. Il n'y a aucun moyen pour éliminer les cyborgs. Mais Ralph a une idée. Il est en train de faire tomber toutes les Mentos pour les faire tomber dans le cola diet. Et après ça, Turbo revient, mais en l'apparence d'un cyborg comme un monstre. Et voilà, c'est ici là, le dernier boss. Normal parce que c'est un jeu vidéo, vous savez. Et là après là, pendant que Ralph est en train d'affronter Turbo, Ralph est en train de tomber et il est en train de faire un coup avec son poing. Et après, là, il a fait tomber toutes les Mentos. Et après, Vanellope a sauvé la vie de Ralph avec l'aide de son kart. Et là, les cyborgs sont tous tués dans le cola diet. Et Turbo est battu. Et maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la course. Vanellope a gagné la course. Et après, alors que Vanellope a gagné la course, Vanellope est revenue là, dans sa véritable apparence. Elle était une princesse et tout le monde se souvient d'elle. Et maintenant, le film se termine bien. Ouais, le film se termine bien. Le jeu de Félix Tick Jr. est revenu comme il était avant. Le jeu n'est pas débranché. Parce que tous les personnages sont rentrés. Et après, là, Ralph et ses amis, alors que Ralph est en train de passer son temps à faire son rôle de méchant de jeu vidéo, les habitants des gentils lui ont mis sur le gâteau. Et bien sûr, ils ont même fait un niveau bonus. Et qu'ils ont mis Qbert et ses ennemis. Et après, avec les briques usées, ils ont fait des maisons. Et les petites maisonnettes sont similaires comme les maisonnettes dans Animal Crossing. Et bien sûr, le film se termine que Félix et le sergent Calhoun se sont mariés. Et voilà, c'est la fin du film. C'est comme ça le film se termine. Mesdames et gamers, voici mon review sur le film Les Mondes de Ralph, le meilleur film de Disney de tous les temps. Et maintenant, le nombre d'étoiles que je vais donner à le film Monde de Ralph est 5 étoiles. Oui, 5 étoiles. Parce que ça, là, c'est le meilleur film de Disney là, que j'ai jamais écouté là, quand j'étais ado. Là. Le meilleur film de Disney que j'ai jamais écouté. Et voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo et partagez-la. Bye bye!